Eh bien, salut à tous, bande de gamers, et on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy IX. Je vous arrêtais pas de vous parler que je ferai des Final Fantasy, que j'adore les RPG. J'avais pas encore fait beaucoup de Final Fantasy, je crois que j'en ai fait qu'un seul d'ailleurs. Et je n'avais pas du tout fait d'ailleurs aussi de beaucoup de RPG non plus. Et j'ai décidé de là de me mettre un peu plus sur le RPG, j'avais vraiment envie de jouer, ça fait un bail que j'avais envie de jouer. Et je pense qu'on va se faire quelques Final Fantasy maintenant, ouais. En sachant que le 15 va pas tarder à sortir. Ça me donne vraiment, vraiment envie de jouer au Final Fantasy. Donc, eh ben, on va commencer ensemble les Final Fantasy. C'est parti. Allez. Final Fantasy 9 en action. Je ferme ma gueule. Et ça va être à nous, c'est parti. Alors je tiens à dire que celui-là je l'ai fait qu'une seule fois, j'ai jamais pu le refaire. Et alors je l'ai fini hein, bien évidemment, mais j'ai jamais été jusqu'au... j'ai dit des conneries. J'ai pu le faire qu'une seule fois et ça fait un bail que j'ai voulu le refaire. Et on va enfin pouvoir le voir ensemble et je vais enfin pouvoir le refaire à nouveau. Ok. J'avais eu un petit problème de réglage de manette, j'avais eu du mal. Et c'est bon, regardez, il danse. Ouh ! C'est parti. Donc le jeu est en anglais, j'ai pas pu l'avoir en français, je suis un petit peu dégoûté. Donc pour ceux qui parleront anglais, qui comprennent l'anglais, ben je laisserai un petit peu vite fait les trucs. Bon, moi je comprends à peu près, j'arrive à lire certains mots, pas plus. J'ai pas encore le décodeur, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc les prénoms. Donc ouais, ce sera Zidane là. Je ne change jamais les noms dans les Final Fantasy à part les anciens. Et si, celui-là je mentirais, la première fois que je l'ai fait, j'ai changé les noms des personnages. Parce que lui j'avais mis forcément Dams. Et le personnage qu'on jouera juste après, il a dénommé Mapu, le nom de mon petit frère. Donc voilà. On le verra après. Là on va lui péter d'abord sa gueule à lui. Et c'est parti. Putain, il m'a fait un one shot, l'enfoiré. Il s'est cassé la gueule. On va faire qu'attaquer, tout simple. Je crois que là il lui reste plus qu'une seule attaque et c'est bon. Ah ben voilà. Ça fait plaisir de rentrer de ces musiques. Les musiques des FF sont vraiment... Y'a rien à dire.
Il se fout de notre gueule. Let's start. Allez, c'est parti pour le meeting. Je vous le dis, j'essaie de me débrouiller au maximum au niveau anglais. Avec les habitudes de jouer au Final Fantasy en anglais, des fois un petit peu, parce que les anciens c'était très souvent en anglais. Donc j'ai pris un petit peu l'habitude, mais sans plus quoi. Voyons le plan. Alors, Tantalus, Infamous, Blanc, Tarik, Zev, Zavies, The Kingdom of Alexandria. Le royaume d'Alexandria. Je connais. Alors, mon accent doit être horrible. Hein. Je vais vous laisser lire, je vais pas lire. Ce sera mieux pour vous, je pense. C'est enlever la princesse. Voilà, donc nous allons arriver sur le personnage que je vous disais que j'avais appelé Macron. Ça fait combien de temps que j'ai fait ce jeu? Ça fait, je crois que ça fait. Ça va faire 10 ans, je crois, à peu près. Il me semble que ça va faire 10 ans, ouais. Ouais, je crois que ouais, c'est ça, c'était en 2006, je crois que j'avais fait ce jeu. Putain, je regarde sur la cam, j'ai une toux. Ouais. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc du coup, ça fait que comme du coup j'ai changé les noms la première fois que j'ai fait ce jeu, je me rappelle plus du tout des noms principaux. Donc son vrai nom à lui, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Merci mademoiselle. Au revoir mademoiselle. Hop, on remet le chapeau en place et c'est parti. Putain, fichier, c'est en anglais, je comprends pas là. Oh yes, une potion. Voyons voir, fouillons à l'étage. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs? Oh yes. Sans cartes. Comment on fait pour voir les cartes? Vas-y, descends. Voilà, descends, 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 descends. Ça fond. Ok, d'accord. C'est vrai qu'il y a dans ce jeu là le jeu de cartes qui est resté. Alors, je sais plus si c'est le même que Final Fantasy 8. Je me rappelle plus du tout. Je sais même plus. Il me semble que oui, mais je sais plus. Vas-y, donne-moi un truc. Allez, une potion supplémentaire. Allez, direction le château d'Alexandria. Il me semble que normalement il faut les suivre à eux. Attendez, ici, normalement, les souvenirs, j'avais des thunes ici. Voilà, c'est ça. Oh, c'est un magicien rouge.
Ça va, parce que ce qui est cool dans celui-là, c'est qu'ils ont un petit peu respecté putain, les escaliers sont défoncés. Ils ont un petit peu respecté les jobs, si vous voyez par là. Parce que lui, le personnage que je suis en train de jouer, c'est un mage noir. Lui, là, c'est un mage rouge. C'est sympa, ça, de revoir ça encore. Pigeon, je te chope. On continue notre chemin. Je crois qu'il y a un moment donné, je crois qu'il faut enregistrer notre billet, mais le billet il est pas bon normalement, il me semble. Là c'est un magasin. Ben, on va garder toute notre team d'abord pour ça, ça vaut mieux. Voilà, c'est la ticket. Pour enregistrer le ticket, il me semble. Je connais pas trop l'anglais, donc on va cliquer un peu sur tout, on verra bien. C'est comme ça que je faisais avant quand j'étais gosse sur les anciens Final Fantasy. Voilà, ticket c'est info. Bon, après on va essayer un petit peu les autres choses. Voilà, c'est juste pour se renseigner un petit peu sur... Donc voilà, et là donc il va falloir se débrouiller à trouver un moyen d'aller voir le... Vas-y, c'est parti. Merde, je n'ai fait qu'un seul. M'en fous, je recommencerai pas, je vais bouder dans vos coins. Wow. Les gens d'ici s'en font. Enfin, je crois que c'est ce qu'il a dit. Il est en vacances là, c'est ça? Tête de poiscaille. Merci de me laisser passer. Je ne fais que fouiller. Il me semble qu'il faut passer par là, ouais. Après on va tomber sur une espèce de ratounette. Tu vas y arriver à mettre ton truc, courage. C'est là, ouais, je m'en souviens. Et normalement il y a le rat, voilà. J'appelle ça un rat, mais bon, je sais pas qui. Ouais, c'est ça, c'est un enfant rat. Il va nous demander de l'aider à voler l'échelle, je crois. Et il va nous amener au spectacle. Yes, it's clear. Tout est ok. Et arrête, c'est rien à signaler, mon pote, vas-y. Chope l'échelle. On se barre vite. Et là, on n'a plus qu'à le suivre. Ah, je crois que c'est là, il me semble. Voilà. Notre premier MOG qui gère les points de sauvegarde dans ce jeu. Je trouve ça super sympa qu'ils auront mis les MOG. Voilà. Voilà. Et là, on va pouvoir créer notre petite sauvegarde. J'avais oublié lui, je crois que c'est un gars qui vend des trucs super sympas en fait, je crois. Je sais plus en fait. Attends, tu vas où? Adios amigos. Ouais, j'arrive. Bon, moi je veux. Voilà, save.
Voilà. Ensuite, les temps pour soigner. Mounier, c'est quoi ça, Mounier? Eh merde, j'ai recliqué sur le même truc, putain, quel con. Ouais. Et c'est parti, on reprend notre histoire. Alors il me semble que normalement... Voilà, on passe là. Et il me semble qu'à un moment donné, je crois que je tombe. Il me semble que je suis tombé, moi. Donc on arrive ici. Là, c'est là. Ah non. Peut-être que je tombe pas, en fait. Je sais plus. Voilà. Donc son vrai personnage, son vrai nom, c'était Vivi. Et du coup, je pense que, vu le nom, on va lui donner le nom de mon frère. Quoi. Ça restera ma coupe pour moi. Ça va mieux. Vivi, c'est pas top, Vivi. Ça fait penser à ma grand-mère, elle s'appelle Viviane. Il y a plusieurs chemins à prendre. Hop. Il me semble qu'ici, normalement, on a un truc à récupérer. C'est pour ça qu'on est ici, il me semble. Voilà. Alors, vous verrez, je fais beaucoup des détours. Des fois, dans les Final Fantasy, j'aime beaucoup faire des combats parce que ça me permet de prendre de l'expérience, devenir plus fort. Et des fois, quand on fait des détours et qu'on fouille bien dans les endroits où les temples et tout ça, on trouve facilement des armes légendaires ou des trucs super puissants et tout ça. Et nous y voilà. La qualité de ce jeu était impressionnante pour la PlayStation 1, je trouve. Personnellement, c'était joli à voir. Hein. Ça me fait penser à la meuf de Final Fantasy VI, la sorcière. C'est parti pour le spectacle. Ladies and gentlemen, je ne vous dirai pas ça parce que ça vaut pas la peine avec mon accent anglais. Et c'est parti pour le spectacle dans 3, 2, 1. Que dalle de ce qu'il disait. Oh là là. Alors que l'orage gronde, les héros arrivèrent.
pour aider le prince et arrêter le roi. Que va-t-il se passer? C'est parti. Moi aussi, je peux faire des magies. Le feu contre le roi. Attaque météore. La machine n'est pas utile contre lui. J'avais déjà lancé une attaque de magie, merde, ça fait chier. Vous allez voir que lui, ça marche contre nous. Eh non. Ça a échoué aussi. On a perdu qu'un seul équipier. C'est parti. Ah ouais, il y avait un petit jeu comme ça, je m'en rappelle. Qui va être là maintenant, je crois. Il fallait garder un truc par rapport... Alors, The Falling Blank enters the correct command from the Falling Change. Ok, ça marche. Ouais, c'est parti. Oh, je me suis trompé touche. Non, je crois. Non, c'est bon. On est correct. Je suis trompé touche. Ouais. Ah, je me suis trompé touche encore. La reine va se foutre de ma gueule. Ok, ok, ok. On va se concentrer, on va se concentrer, on va se concentrer. On va y arriver. Ok, pour l'instant ça change pas, ça reste toujours du triangle et du X. Eh merde, je suis trompé. T'en as pensé la reine? Of the 100 nobles watching, 25 were impressed. Sur 100 personnes, il y en a 25 qui ont été impressionnés. Queen Bran was, la reine n'a pas été impressionnée. Non, on commence par l'audience, on s'en fout. On a gagné 89 guilds. Guilds, pardon. Enfin, moi je dis guilds, ça dépend des jeux. Final Fantasy, c'est pareil. Il y a des fois, il y a le S derrière. Donc... Et là, on a assommé. Fénitoit de se changer. Yeah, but is Almet. Ça pue là-dedans. Ouais, are you talking about me? Almet talking. My armor, so too big. Elle est trop grosse. Ouais, allez, c'est bon, on y va comme ça. Ah,
Ah oui, celui-là, c'est vrai qu'il a son insecte. Bienvenue à Alexandria Castle. Et on doit trouver la princesse maintenant, je crois. Mais ça, on verra ça au prochain épisode. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter, et puis abonnez-vous pour voir la suite. Ciao, ciao les amis, à la prochaine dans le prochain épisode.